Dernière chose. Qu'est-ce que les potins que je vous apprenne ? Apprenez-moi l'orthographe. Très volontiers. La cinq voix O-A-L. A-E-I-O-U. J'entends tout cela. La voix se forme en ouvrant fort la bouche. A. Ah, ah, oui. La voix E se forme en rapprochant la mâchoire d'en bas de celle d'en haut. Ah, E. Ah, E, A, E. Ma foi. Ah, oui, que cela est beau. Cela. Ce qu'il y a davantage pour vous, c'est qu'il est amoureux de votre fille. Le fils du grand-duc. Oui, et il veut être votre gendre. Mon gendre, le fils du grand-duc. Oui, oui. Oui, et comme je lui ai répondu que je vous connaissais particulièrement et que j'avais vu votre fille, ah, me dit-il, Marababa Sahel, c'est-à-dire ah, que je suis amoureux d'elle. Marababa Sahel veut dire ah, que je suis amoureux d'elle. Oui, savez-vous bien ce que veut dire Kakarakamouchen? Kakarakamouchen, non? C'est-à-dire ma chère âme. Kakarakamouchen, vous venez donner votre main à monsieur qui vous fait l'honneur de vous demander en mariage. Comment, mon père? Quand vous voilà fait. Est-ce une comédie que vous jouez? Non, ce n'est pas une comédie, c'est une affaire fort sérieuse et la plus pleine de nerfs qui se peut pour vous. À moi, mon père? Oui, à vous. Allons, touchez-lui dans la main et rendez grâce au ciel de votre bonheur. 2, 3, tournez. Venez, ma fille, approchez-vous et venez donner votre main à monsieur qui vous fait l'honneur de vous demander mariage. Comment, mon père? Comme vous voilà fait. Est-ce une comédie que vous jouez? Non. Rendez grâce au ciel de votre bonheur. Je ne veux point me marier. Je ne veux moi qui suis votre père. Je n'en ferai rien. Ah, que de bruit! Allons-vous dire ça à votre main? Non, mon père, je vous l'ai dit. Et je vous dois entière obéissance. Et c'est à vous à disposer de moi selon vos volontés. Ah, je suis ravie de vous voir si promptement réunie dans votre devoir. Et voilà qui me plaît d'avoir une fille si obéissante. Je peux le retirer maintenant, mon père. Allez, et marie-toi avec lui. Non, papa, qu'est-ce qui t'arrive? C'est une blague? Non, ce n'est pas une blague. C'est grave sérieux. Marie-toi avec lui, c'est quelqu'un de bien. Non. Si, mais pourtant, c'est ton vieux père. Je ne veux pas me marier. Moi, Ketchrek, ton père, je le veux. Je m'en fiche. Ne crie pas et dépêche-toi. Non, je n'ai pas envie. Je serais prête à tout faire plutôt que de... Tu es mon père et je te dois le respect. Et je me marierai avec cet homme. Ah, je suis contente que tu te sois raisonnée. Et puis, de toute façon, tu étais obligée.